Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour un nouveau vlog de semaine. Donc là nous sommes le mercredi 3 juillet. Donc ce matin l'IS travaillait, donc j'étais avec les 4 enfants. Kisha est partie en fin de matinée puisqu'elle allait manger au restaurant chinois avec ses copines et ensuite elle allait voir donc le dernier Spider-Man. Ensuite l'IS est rentré du boulot. Il a déposé donc Johan et Ilan au laser game en fait qui est à côté de chez nous. Puisqu'en fait ma soeur avait organisé l'anniversaire de son fils là-bas. Donc j'étais très contente d'aller au laser game. Son lui est tombé de fatigue, donc il a fait une heure de sieste. Donc je vous avoue qu'on a profité. On n'a pas dormi longtemps, mais ouais, c'est une petite heure. Ce qui nous a reboosté un peu. Ensuite on est parti de la maison, on est passé vite fait au point relais puisque j'avais fait une commande sur Vinted qui était bien arrivée. Et ensuite on a été à Val d'Europe, on est passé chez Primark, on est passé à la Fnac pour les AirPods de Johan. Et qui c'est qui rentre? L'IS. Non vas-y vas-y, on te verra pas. Il est une mime qui va. Mais vas-y. Allez, défile. Pour ton fils. Ok. Bisous. Bisous. Et donc pour les AirPods de Johan, je vous ai même pas montré en fait hier, donc pour son anniversaire, Johan, donc il a eu des sous en fait par mon père, il a eu pas mal de sous. Et nous on lui avait pris une carte PlayStation Store et je lui avais pris l'autre seau. Je vous ai pas montré l'autre seau, je vais essayer de penser à vous le montrer. Ils sont trop trop bons la fraise. Et donc on avait décidé de lui prendre les AirPods. Et voilà. Voilà. Et ensuite, bah, c'est tout. Je crois que c'est tout. Donc je vais commencer par ma commande Vinted. Donc sur Vinted en fait, à l'époque en fait, Swan ici, il a eu beaucoup de petites figurines. Et quand il est parti, il est parti avec pas mal de ses jouets, notamment toutes ses figurines. Et c'est vrai qu'il les réclame souvent ici et elles reviennent pas. Donc du coup j'ai trouvé une alternative et j'en ai trouvé sur Vinted puisque les boîtes comme ceci à Disney sont aux alentours des 20 ou 30 euros. Donc il y en a quelques-unes à la maison mais elles sont pas ouvertes et je les ai déjà mises en carton. Donc du coup je lui ai trouvé comme ceci celle de Mickey en fait. Donc en plus c'est pour les 90 ans. Donc il y a Donald, Pluto, Mickey, Minnie et Dingo. Donc la boîte est très très sympa. Je pense que ça vient de chez Nose. Puisque ça me rappelle un peu les pins que Nini de la chaîne Nini Beauty m'avait fait parvenir. Pour le tout de ma commande, pour les 3 articles, je crois que j'en ai eu pour 15 euros frais de port compris. Donc c'était tout à fait raisonnable. Ensuite en boîte, j'y ai pris celle-ci, donc bien évidemment Toy Story. Donc il y a Rex, il y a Jessie, Woody, Buzz. Et franchement les aliens par contre c'est super sympa avec la pince là. Et ça je sais pas d'où ça vient non plus. Franchement, ça vient pas de Disney pour moi. Pour aller régulièrement à Disney, j'ai jamais vu cette boîte là, ça me parle pas. Mais voilà, en tout cas, c'est très très similaire à ce qu'on peut trouver à Disney. Les figurines sont très bien faites. Et voilà, donc pour 15 euros, frais de port compris. Donc les deux boîtes plus les deux objets que je vais vous montrer, c'était sympa. Donc ça, je pense que ça vient de chez Action. Et j'ai dû les rater au moment où elles sont sorties, où j'ai pas prêté attention. En fait, il y a quelques temps, je vous avais montré, l'IS avait pris pas mal de petites figurines comme ceci en ferraille, enfin en fer, sur le thème de Batman. Et en fait, la fille revendait deux figurines tout à fait similaires, donc c'est aussi en fer. Sauf qu'il y avait Buzz l'éclair et il y avait Woody. Donc du coup, je lui ai pris les deux figurines aussi. Et ça, franchement, ça ressemble vraiment au packaging de celles qu'on a pris chez Action. C'est pour ça que j'aurais tendance à vous dire que je pense qu'elles sont sorties à Action, à un moment donné, mais que j'ai pas vu passer ça. Ensuite, je vais vous montrer Primark, parce qu'il y a pas mal de nouveautés en ce moment. Donc à la base, j'avais pris une assiette comme ceci, Pizza Planet. Donc elles sont à 7 euros, mais Elias m'a dit, oh, ça fait pitié et tout, une seule assiette. Donc du coup, on a pris deux. Elle dit ouais si on mange de la pizza tous les deux, c'est à dire toi t'as une assiette et moi j'en ai pas. Ouais pas faux. Enfin, moi c'est pas vraiment pour manger de la pizza hein, clairement c'est. Mais bon, si j'ai envie de manger une part pizza là-dedans, pourquoi pas, on va pas contrarier. Hop. Donc elles sont vraiment très très belles, elles sont vraiment voilà, forme d'une part de pizza avec justement un alien. Donc j'aime beaucoup beaucoup. Donc on en a pris deux. Ensuite j'ai pris comme ceci, donc ça j'avais vu que ça sortirait, c'est normalement sel et poivre, donc avec les deux nouveaux personnages du Toy Story 4, donc le petit poussin et le petit lapin, donc c'est 6 euros les deux, donc j'avais déjà je crois Mickey et Minnie comme ça, quelque chose comme ça me rappelle, je crois que j'avais eu ça, mais c'est en carton. Ensuite ils ont sorti des snows, donc le premier qui est donc à 9 euros, c'est sur le thème du Roi Lion. Je vous avoue que je suis un peu déçue entre guillemets. Elle est quand même là. Je vais essayer de pas trop défoncer la boîte
pour pouvoir le ranger dedans après. Je vais vous expliquer pourquoi tout de suite. Si j'arrive à me dépatouiller de ça. Voilà, hop. Alors, je vous explique pourquoi. En fait, c'est à l'intérieur. C'est à l'intérieur, en fait, vous voyez, ils ont fait une espèce de plaque, en fait, où vous avez Pumbaa, Timon et Simba. Ouais, c'est ça. À la queue leu-leu, un peu bah, comme le Pandora que je vous ai montré. Et en fait, je trouve ça dommage qu'ils aient pas fait, vous voyez, trois personnages en 3D, en fait. Voilà, c'est dans ce sens-là que je dis ça. Maintenant, elle est sympa, et franchement, pour 9€, voilà. Ça permet d'avoir des snows à des prix abordables, puisque comme je l'ai déjà dit, à Disney, les snows, ça va très 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 vite. Donc je la remettrai après. Ensuite, j'ai pris une étiquette à bagages comme ceci à 3,50€, puisqu'on va partir prochainement en vacances. J'en avais déjà pris une ou deux, et je pense que vu au nombre qu'on est, on va avoir plusieurs valises. Hein. 3,50€, pour ça, ce sera pour la valise certainement de Sohan, pardon. Et finalement, j'ai repris la même paire, petite paire de baskets que je vous ai montré il n'y a pas longtemps, mais je l'ai pris en 27, donc la pointure qu'il va mettre actuellement. Je pense que la paire que j'ai en 29 à la maison, je vais aller la faire rembourser tout simplement. Là, la prochaine fois qu'on y va ou que j'y pense. J'ai 28 jours donc j'ai encore le temps parce qu'en 29 c'est vraiment très très grand et 27 elles sont déjà un poil on va dire plus grande que son pied. Donc il va pouvoir les porter maintenant, ça fera tout l'été. Donc bon, je sais pas si, je pense pas que ça a un intérêt que je les garde en 29. Je vais voir mais je pense pas les garder, je pense les faire rembourser. Ensuite ils ont sorti un nouveau mug, donc Forky, comme ceci. Donc les baskets, je sais pas si je vous ai dit le prix, elles sont à... En fait, je vous dis que je les garderai pas forcément, elles sont à 15€, puisque en fait, ils en sortent assez régulièrement, et d'ici là, bon, il y aura peut-être un nouveau truc qui va sortir, voilà. Mais bon, en tout cas, si j'oubliais de me les faire rembourser, c'est pas très grave, c'est du 29, il les portera plus tard. Donc, Forky, comme ceci, donc très très sympa, avec, vous savez, hein, la bouche ouverte, où on peut déposer éventuellement un gâteau, donc à 7€. Ensuite, ça, je vais les mettre directement sur le frigo, ce sont donc 6 magnettes comme ceci sur le thème du Roi Lion. Donc c'est 4€ les 6 magnettes. Donc franchement ça va, ça c'est raisonnable. Vous avez Timon, Pumbaa, Simba, Nala et... Oh, j'ai oublié son prénom. Bah, comment s'appelle l'oiseau? Oh bah j'ai oublié son nom. J'ai oublié son nom. Bon bah c'est tout, hein. Je pense qu'en commentaire vous allez toutes me le rappeler. Donc quand je ferai le montage, je me dirai mais oui. Mais oui, bon, c'est pas très grave. Ensuite, je me suis pris un ensemble Zazou. La lumière vient de s'allumer dans mon cerveau. Zazou. Ensuite, je me suis pris un ensemble pyjama comme ceci. Je m'étais dit, les pyjamas, j'en prendrai plus parce que j'en ai assez pour cet été. Mais là, vous allez comprendre que je pouvais pas passer à côté puisqu'il était à 7€. Et c'est pas pour ça. Il y a des petites étoiles déjà sur le short. Vous savez à quel point j'aime les étoiles. Chez nous, les étoiles, ça a un symbole bien particulier. Et surtout, c'est la petite fée clochette. Donc très sympa, un débardeur. Donc voilà, donc, franchement pour 7€, voilà, je me suis dit allez un petit pour la route. Et de toute façon moi je change quasiment de pyjama tous les jours parce que avec Yes j'ai chaud, je brûle la nuit. Ensuite j'ai pris un pyjama pour Swan, mais je lui ai pris en 116 cm, donc il va pas le mettre tout de suite puisque c'est du manchon tout simplement en fait. Donc il y a un bas comme ceci de pyjama, donc avec plein de motifs Buzz, des planètes et tout. Et sur le... Tu fais le focus toi? Et sur le t-shirt, voilà, vous avez Buzz et tout représenté. Donc très sympa. En fait, je peux vous l'ouvrir. Hein. Je me prends la tête, mais je peux vous l'ouvrir. De toute façon, je vais le mettre dans son armoire. J'ai fait un côté qu'avec du 116, ce sera beaucoup plus simple pour vous montrer. Au moins, si vous hésitez à le commander en pick-up ou quoi que ce soit, vous le verrez mieux. Voilà, donc c'est un t-shirt qui est quand même manchon, vous voyez, avec Buzz. Et sur la manche, il y a marqué donc To Infinity and Beyond. And Beyond, pardon. Voilà, sur chaque manche. Et le bas, il se présente comme ça. J'aime bien, de toute façon, un peu resserré en bas. Et donc, voilà, vous avez des Buzz et des planètes un petit peu partout, voilà, sur la jambe. Donc, il est sympa. Et il est à 10€ l'ensemble. Ensuite, ça, c'est mon combat, on s'en fout. Un autre snow. Je pouvais pas passer à côté, forcément, avec mon petit fan de Toy Story. Donc, c'est un snow qui est aussi à 9€. Et cette fois-ci, c'est donc Buzz l'éclair. Par contre, celui-là, j'avais pas du tout vu qu'il sortirait. J'avais vu passer des photos de la Belgique, je crois que c'est, avec justement des articles Le Royaume.
Et j'avais pas du tout vu qu'il allait sortir ce snow-là. Voilà. Donc c'est le buste comme ceci de Buzz l'éclair. Il a la tête donc dans la boule. Et voilà. Et c'est avec vraiment que le torse de Buzz l'éclair. Elle est sympa. Voilà, elle est pas exceptionnelle. Mais pour mettre dans sa future chambre, ce sera très très bien. Elle est vraiment le canon, quoi. Hop. Voilà. Une petite boule à neige. Enfin, je dis dans sa future chambre, mais avec Son, je me méfie, je vous avouerai, parce que même si il grandit, hein. Parce que là, actuellement, j'ai déplacé tous les snows de mon bureau. Il y en a une partie qui est dans leur chambre et une partie qui est dans la bibliothèque de mon entrée. Autant vous dire, je leur ai mis une pression, mais de malade, pour leur dire ne touchez pas, ne touchez pas. Pour l'instant, tout va bien. Mais je vous avoue que j'ai la pression. Donc, ensuite, je lui ai pris un t-shirt comme ceci en 110 cm, donc pour qu'il mette maintenant à 7 €. Avec Forky. Et ce qui est sympa, c'est qu'au niveau des yeux, vous voyez, ça bouge en fait. Donc voilà. Donc 7 €, très sympa. Et voilà. D'ailleurs, je vais profiter là des premiers jours des vacances pour faire un tour dans son armoire. Donner tout ce qu'il y a à donner. Et mettre de côté le 116. Et garder pour moi cet été la rentrée le 110. Ensuite, Ilan a voulu une trousse comme ceci sur le thème Toy Story. Vous savez, c'est une trousse avec multi-rangement comme ça. Donc du coup je lui ai pris, elle était à 7 €. Swan évidemment on a réclamé une, mais je sais plus s'il l'a prise ou pas. Ou il en a peut-être pioché déjà dedans, mais il me semble qu'on en avait pris deux des trousses. Donc ça c'est bon pour Primark, parce qu'ensuite c'est des briques brocs qu'ils ont eu à l'anniversaire de mon neveu. Ensuite donc quand ce liait c'était à la Fnac donc pour prendre les AirPods de Yuan, je me balade un peu dans les rayons et je suis tombée sur cette boîte là. Donc c'est une boîte de Lego Toy Story 4 en fait, où vous avez pas mal de personnages. Vous avez donc la bergère, Gabi Gabi et Buzz l'éclair. Donc je pense pas lui donner tout de suite à Son, parce que comme il est son anniversaire, voilà, c'est pour espacer un petit peu. Et puis il est un peu jeune je trouve, en tout cas pour les Lego, même si c'est marqué 4 ans et plus. Donc du coup je pense qu'on va pas l'ouvrir maintenant, on l'ouvrira plus tard. Mais voilà, c'est le genre de truc que je vois pas partout. Donc elle était à 26,99 €. Et avec la carte Fnac de Liège, je crois que j'ai eu moins 10% de réduction, un truc comme ça. Donc du coup, je lui ai prise. Et pour être honnête avec vous, il m'a dit au début, non, je veux du Transformers. Et je me suis dit, prends-la, parce que franchement, honnêtement, ça me parle pas des Lego. Des Lego Toy Story. Pourtant, voilà, avec Son, je regarde quand même souvent dans les rayons du Toy Story. Et j'en ai jamais vu, donc j'ai préféré la prendre. Il va me rendre addict à ce truc-là aussi. J'ai pas assez d'addiction. Hein. Ensuite, Johan à chez Micromania. Donc les garçons, je vous montre jamais les garçons. Parce qu'en fait, eux, ce qu'ils prennent chez Micromania et Zing, ce sont des boosters, des trucs Pokémon. Je ne comprends strictement rien du tout, mais c'est ça qu'ils prennent en fait. Donc je vous montre les articles Primark parce que je me dis que ça peut vous intéresser. Maintenant, vous montrer des cartes Pokémon. Mais vous inquiétez pas, ils sont absolument pas en reste. Et Kisha, elle est forcément plus grande. Donc elle, en gros, elle a son budget. Elle le prend et elle fait ses soldes, ses achats en fait. C'est juste, voilà. Mais sinon, vous inquiétez pas pour nos enfants. Ils sont tous, ils ont rien à envier les uns aux autres. Ils sont tous, voilà. Ils ont pas du tout les mêmes centres d'intérêt. Et donc je vous disais, Johan a pris un ticket là. Pour avoir un cadeau, parce qu'avec les sous, donc une petite partie des sous que mon père lui a donné, il a pris un ticket et il a gagné ça. Une espèce de petit vide poche sur le thème Dragon Ball Z. Je sais pas du tout qui c'est. Je crois qu'il a dit Vegeta, mais je suis pas sûre. Donc ça, c'est le ticket de caisse, on s'en fout. Ensuite, on a vu ces petits sachets là, Toy Story 4. Très honnêtement, c'est pour ça que je vous dis que Swan aura un peu accro à ses bêtises de Toy Story, puisque Swan lui s'en fout complètement. Et moi je vois ça derrière qu'il y a 9 personnages en fait à collectionner. Hop, je sais pas si vous allez voir, voilà, il y a 9 personnages à collectionner et c'était 6 €. Donc il y a Woody, Jessie, Buzz, Booby, donc la bergère, les un alien, Duke Caboon, Forky, Gabi Gabi, et ils disent un personnage assez rare. Et moi je dis à Lies, en fait ce que j'aimerais trop avoir c'est soit un caractère principal, donc Woody, Jessie ou Buzz éventuellement, ou j'aimerais trop avoir un alien ou Forky ou Gabi Gabi. Et donc Lies me dit bah écoute je vais en prendre deux, en espérant ne pas avoir de double et en trouver un qui te, bah, te fera plaisir. Donc il m'en donne un, tu peux fermer la porte mon chat s'il te plaît? Ouais. Il m'en donne un que j'ouvre et il me dit bah je garde le deuxième et on décide de se faire deviner. Donc moi je lui dis caractère principal et il me dit Woody.
Donc effectivement, moi quand j'ai ouvert le sachet, donc c'est dans une petite cloche comme ça en plastique. Et donc c'est Woody. Ouais, c'est les bonbons et les cadeaux que les garçons ont. Ouais. Bah tu peux le prendre, à mon avis c'est pour toi celui-là. Je pense que tata l'a donné sur pour toi ce sachet de bonbons. Ah, c'est pour ça que c'est dans mon sac. Et lui il ouvre en fait et il me dit trois yeux. Donc tout de suite je lui dis alien et je suis trop contente quoi. J'avais trop envie d'avoir celui-là ou comme je disais Forky ou un truc comme ça. Enfin, un personnage un peu plus rare et apparemment vous pouvez les emboîter comme ceci. Bon, moi ce que je ne vais pas faire, excusez-moi, il a fait la porte ouverte. Mais voilà. J'étais trop contente qu'il tombe lui. En plus il en prend deux, il m'en fait ouvrir un, il en ouvre un. Et c'est lui finalement couvre, excusez-moi, Alien. Et ensuite, je vous avais montré il y a quelques temps, bah attendez, juste derrière, hop, chez Zing en fait, on avait acheté donc ce coffret là qui était en promo à 9,99€ au lieu de 14,99€, qui était donc Batman. Donc très très sympa. Et en fait à chaque fois qu'on y allait on regardait s'il y avait d'autres choses. Et à chaque fois souvent on voyait Harley Quinn et la Batgirl aussi. On voyait Harley Quinn et la Batgirl. Et moi je disais ce serait trop cool qu'un jour on tombe sur le Joker. Va donner aux garçons et on peut ouvrir. Qu'est-ce que c'est? Ma soeur elle fait des idées un peu gluantes, un peu machin. Va donner aux garçons et on peut ouvrir. Et je lui disais ce serait trop cool si on pouvait tomber. Ou ferme la porte mon cher là. Si on peut tomber sur le Joker, je vais y arriver. Et en fait, Lies aujourd'hui est tombé dessus, donc je suis trop contente. Donc pareil, en plus en promo, parce que j'avais dit même s'il n'est pas en promo, tant pis. Et finalement, c'est aussi en promo, donc vraiment très très sympa quoi. Donc vous avez le Joker avec plein d'accessoires comme ça, vraiment très très sympa. Donc je suis bien contente. Du coup, je dis à Lies, bah peut-être qu'à l'occasion, finalement, on prendra peut-être pas la Batgirl parce que sans plus, mais peut-être Harley Quinn, je verrai. Mais voilà, on va peut-être attendre voilà, si elle tombe aussi en promo. Donc très très cool. Bah écoutez, je crois que j'ai rien oublié. Je pense pas. Je vais essayer d'aller vous chercher l'autre. Je vous laisse en compagnie de Swan. Tiens, surveillez-le. Le temps qui ne touche à rien surtout. Hein. Qui ne touche à rien. J'espère qu'il a été sage, donc je couperai quand même un peu parce que j'ai mis un peu de temps. Il était sage. Et donc j'ai pris donc pour Johan hier l'autre seau. Donc, excusez-moi, qui sent super bon la fraise. Et l'autre seau qui est vendu à Disney 26€ je crois. Et avec les moins 10%, j'ai dû payer 22€ ou 23€. Voilà. Donc pour ce soir, parce que là il est déjà tard, hein. Je sais pas quelle heure il est, mais il est déjà tard. On va commander on va pas commander du tout. On est passé au champ, on a acheté des pizzas, donc on va faire cuire pardon, des pizzas. Demain matin, je devais être de matinée à 5h45 finalement. Je suis en réunion, donc ce qui est pas plus mal comme ça. Je rentrerai sans doute plus tôt à la maison et surtout je vais commencer plus tard. Donc c'est pas plus mal parce que vous savez, moi les matinées ça fait 2, 3, 4, 1000 même. Vendredi matinée et je finis par deux soirées et dimanche soir je suis Elias aussi d'ailleurs. Nous sommes en vacances. Oui mon bébé. Est-ce que je peux prendre les Lego? Ah tu vois finalement. Après réflexion. On va peut-être pas l'ouvrir maintenant encore parce qu'il est un peu tard. Mais ouais. On va voir ça pour monter ensemble. Ouais. Ok. Même la peste. Donc nous voilà jeudi, il est je ne sais pas quelle heure. On est en fin de 19h30, merci Lies. Mon petit assistant. Donc en fait ce matin donc Lies s'est occupé des enfants puisque moi j'ai eu une réunion. Je suis rentrée à la maison, on a mangé tous ensemble et ensuite on s'est reposé un petit peu. Et ensuite on est parti vite fait chez Action puisqu'en fait j'avais un vous savez un embout de balai là pour laver le sol. On l'avait utilisé, on l'avait transféré pour nettoyer la terrasse. En fait, avec la rouille, le bâton s'était pété. Donc du coup, on en a racheté deux. Un pour la serpillière et un dédié justement au balai pour la terrasse. Lies, il y a quelques jours de ça, donc en plus il m'a bien fait les choses et tout. Il a passé une commande chez Foot Locker, donc il m'a mis les prix initiaux et les prix qu'il a réellement payés. Donc je vais vous montrer tout ça pour celles qui pourraient être intéressées, parce qu'il y a notamment des baskets pour les enfants. Le truc en fait c'est qu'il avait aussi pris une paire de baskets pour Ilan et sur le site en fait au moment où il commande tout est ok et en fait après elle est en rupture de stock donc il faut qu'on recommande une paire de baskets pour Ilan.
Et qu'est-ce que tu fais toi? Donc je vais vous montrer tout ça. Donc tout d'abord pour sa petite nièce, enfin notre petite nièce, puisqu'elle est devenue ma petite nièce par adoption. Donc il a pris une petite paire comme ceci, Converse Hello Kitty. Elles sont trop canon. Elles sont trop mignonnes. Mais vraiment, elles sont canon quoi. Avec le petit sigle Converse ici, elles sont vraiment trop trop belles quoi. Donc voilà, donc il a pris du 21 je crois. Donc c'est un peu grand pour elle pour l'instant, mais elle les mettra bah, clairement à la rentrée hein, je pense, parce que de toute façon pour l'été elle a je pense ce qu'il faut. Mais elles sont trop trop belles. Et donc il les a eu à... Alors il a bien fait les choses. Anna donc à 19,99€ au lieu de 59,99€, pardon, donc une belle solde. Ensuite il s'est pris un maillot que j'aime beaucoup beaucoup. Maillot c'est bon. Maillot c'est bon. Maillot c'est bon. Donc il a eu à 29,99€ au lieu de 89€ à Tansoan. Donc c'est un maillot qui se présente comme ceci. Donc Nike, il est trop beau. J'aime beaucoup beaucoup moi. Je lui ai dit je lui piquerai de temps en temps, il est vraiment trop beau. Oui, Soan. Ça c'est mal. Bah va te poser sur le canapé, c'est à force de manger trop de bonbons. Franchement, il est super beau. Et voilà, dans le dos, il est comme ceci, avec légèrement ajouré comme ça, voilà. Il est vraiment magnifique, quoi. Donc apparemment, l'IS me dit qu'en plus, il n'est pas trouvable partout. Donc si au cas où vous êtes intéressé, donc allez faire un tour sur le site de Foot Locker, parce qu'apparemment, en boutique, les probabilités de le trouver sont quasi nulles. Tu refermes la porte derrière toi, Soan. Ensuite, celle-ci c'est pour l'IS, donc il s'est pris une paire de baskets qu'il a payé 39,99€ au lieu de 89,99€, donc très intéressant. Et ce sont des New Balance comme ceci. Ça. Donc elles sont blanches, elles sont trop trop belles, j'aime beaucoup aussi. Voilà. Non, je pourrais pas les piquer parce qu'il y a des trucs que je lui emprunte, mais là pour le coup je pourrais pas les piquer. Franchement, elles sont trop trop belles. Donc voilà. New Balance, trop cool, en plus avec une super belle solde. Ensuite il s'est pris des claquettes, parce qu'en fait Lies n'aime pas les tongs et il mettra pas de chaussettes. Dédicace à Emeline de la chaîne Made in Chine. Oh, Made in Chine, presque, j'étais presque. Donc il s'est pris des claquettes donc pour partir en vacances, même pour aller directement ici, ou parce qu'on va certainement aller faire un tour au village nature. Donc ce sont des filas comme ceci, bleu marine, elles sont classiques. Hein. Et celle-ci, non j'ai perdu ma liste, 9,99€ au lieu de 24,99€, merci bébé. Et non, pas pour finir, ensuite il a pris une casquette comme ceci pour Johan. Donc c'est une Jordan, franchement elle est sympa avec le sigle ici en argenté comme ça, Jordan. Elle est, vous savez, couleur un peu militaire. Donc Lies en a une comme ça, enfin pas une Jordan mais similaire, colorée comme ça, militaire, elle est trop trop cool. Je sais pas si on voit bien le motif militaire du coup. Je me suis mis dehors pour être un peu à l'air. Et celle-ci, merci, 9,99€ au lieu de 24,99€. Donc très très jolie aussi. Et pour finir, il a pris une paire de baskets donc pour Johan. Tiens, tu pourras le mettre sur centre. Pour Johan, donc c'est des New Balance aussi. Basket Johan, 29,99€ au lieu de 79,99€. Et par contre, il les a pris en noir et bleu. Et Ilan, à la base, il avait choisi quoi comme modèle? C'était lui, des ASICS toutes noires. Des ASICS toutes noires, mais malheureusement, bah, elles ne sont pas arrivées. Au même tarif, mais du coup, elles ne sont pas arrivées. Donc je pense que soit on va lui commander les mêmes que Johan, soit bah faut qu'on l'emmène voir le site pour qu'il puisse bah, choisir du coup un autre modèle. Le pauvre. Ah, il a déjà choisi ce matin. Ah, bah le problème est déjà résolu entre garçons. Ils sont efficaces quand je suis pas là, ils sont efficaces les mecs. Donc voilà. Ensuite, on est passé vite fait chez Action, comme je vous disais, pour acheter notamment des embouts là pour les balais. On a pris aussi un pommeau douche qui est déjà installé. Des soupes chinoises pour les garçons. Des boîtes à mouchoirs, je vais pas vous montrer, mais on a acheté des boîtes à mouchoirs. Des boissons, je réfléchis. Donc je vais vous montrer entre guillemets ce qui peut être intéressant. Donc j'ai repris des lots comme ceci de 6 cintres blancs. Franchement ils sont super beaux, ils sont en bois. Ils sont à 2,99€ de mémoire les 6 cintres. Donc j'ai pris deux lots puisque en fait il y a tout ce qui est maillot, en fait les met sur cintre pour pas les abîmer. Donc du coup ça, les cintres ça part assez vite. Donc du coup j'en ai repris un lot. Ensuite il a pris ceci, donc c'est un truc en fait, un papier exprès en fait pour le barbecue, pour éviter de nettoyer la grille systématiquement. Donc à voir si c'est efficace ou pas.
Et ça doit être moins d'un euro. Ça c'est aux alentours des 1 €. J'ai pris ce petit kit en fait pour Sohan ou Ilan d'ailleurs. Puisque là j'ai un bac à fleurs où j'ai mis quelques graines, mais il faut que je retourne un petit peu la terre. Donc moi je vais surtout utiliser ça, le petit râteau. Donc voilà, c'était 1 € et quelques. Il a pris vous savez, un spray là qui nettoie les grincements, supprime les grincements, chasse l'humidité, nettoie et protège, dégrippe les pièces rouillées, nanana. Notamment pour le vélo de Sohan et aussi la porte d'entrée qui des fois, au niveau de la serrure, après l'hiver, des fois il y a besoin, vous savez, de graisser légèrement pour que ça fonctionne bien tout simplement. On a repris des petites lingettes comme ceci, donc pour mettre dans les WC, notamment pour Sohan. Il a pris des petits trucs comme ceci pour mettre, vous savez, pour faire des boissons, c'est plus facile à transporter. Donc celui-ci c'est saveur citron et celui-ci c'est pastèque fraise. Donc voilà. Donc ça à trimballer c'est pas mal et puis ça permet d'aromatiser un peu l'eau. Ensuite il a pris une pompe à ballon et aussi qui va servir donc pour le vélo de Sohan, pour regonfler un petit peu les roues. Il a pris ça pour ma petite sœur qui est fan de licorne et compagnie. Donc c'est un petit porte-document comme ceci, donc je vais le mettre avec moi dans mon sac puisque moi je travaille demain, donc je la verrai demain. Ensuite moi j'ai pris des glaçons comme ceci. La dernière fois je vous avais montré, j'avais pris des flamants roses et des cactus, et là il y avait les citrons, donc du coup j'ai pris aussi des citrons parce que vu le nombre qu'on a ici, voilà, les glaçons bah ils les utilisent, faut les remettre après au congélateur, enfin les nettoyer, les remettre au congélateur, donc comme ça tombera plus vite. L'IS est tombé sur des gels douches qui sentent super bon, je connaissais pas, c'est de la marque Nivea et c'est Magic Berry, donc ça sent un peu comme le cassis, ça sent vraiment très très bon, donc du coup il en a pris deux. Moi j'ai pris bien sûr un coconut que je vous ai montré il n'y a pas longtemps d'ailleurs dans des produits terminés. Pour Sun en fait il a voulu un crayon comme ça, 4 couleurs, pas de patrouille, donc ils sont à 1 €. Je vous avais déjà montré, je lui avais pris des aliens, vous savez, de Toy Story. Donc j'ai dit ouais, pour 1 €, voilà. Puis ils adorent en ce moment dessiner, ils n'arrêtent pas de dessiner, d'écrire. Il m'a demandé d'en prendre un comme ceci pour ma petite nièce Loulou. Vous les avez aperçus quand on était chez ma soeur, mes deux petites nièces, donc ils sont sœurs. Donc celui-ci c'est pour Luna, donc c'est Olaf. Faut que je vois si ma soeur est là demain. Enfin mon autre soeur. Et il a pris donc celui-là pour Manon, de façon à ce qu'il n'y ait pas de jalouse. Donc c'est le pas de patrouille en fille. La dernière fois je vous avais dit que j'y manquais des petites piles comme ça pour les veilleuses, donc cette fois-ci on avait, donc du coup bah, je vais pouvoir changer les piles, là je vais aller me poser, m'occuper de ça. Ah, il y a un autre, donc il a pris deux comme ceci, pastèque fraise. Et pour finir je suis tombée sur les crayons princesse, donc normalement il doit manquer que le modèle mini a priori. Donc voilà, ils sont très sympas aussi comme ça avec des petits motifs de princesse. Voilà, donc on va ranger tout ça et je vous dis ouais, sinon qu'est-ce qu'on a pris d'autre? Bah du coup le pommeau de douche qui est installé, des boîtes à mouchoirs qu'on a déjà installées, des soupes chinoises, je sais plus le reste, des bonbons, des gold beer. Comment? Hein? Non, on voit pas la fin. Ah oui, et Sohan nous a fait acheter ça aussi. Un dinosaure un peu fâché. Et ça c'est quoi? C'est un brachiosaure, je crois qu'il nous a dit. Parce que lui c'est le pro des dinosaures ici, nous on est un peu naze, donc voilà. Donc un dinosaure. Voilà voilà. Du coup, demain matin, donc je suis de matinée, 5h45. L'IS lui est en repos, donc il va s'occuper des enfants. Demain après-midi, je ne sais pas du tout ce qu'on va faire, on verra bien. Et ce week-end, donc moi je finis de soirée. L'IS travaille samedi en midi. 19h30, un truc comme ça. Et ensuite, donc dimanche soir, nous sommes en vacances. Et comme je vous le dis, j'ai vraiment hâte. Sinon, pour mon appartement, on a peut-être une nouvelle qui s'est décantée. Pour l'instant, je vous en dis pas plus, puisque pour l'instant, ce n'est que probablement. Donc on va attendre, on aura une réponse mardi prochain. Donc on va patienter jusqu'à mardi prochain. Mais a priori, probablement, on aura une bonne nouvelle mardi prochain. Bah écoutez, c'est tout, donc je vais m'occuper des petites plantes là, retourner un peu la terre et attendre que le soleil arrête de taper et mettre un peu d'eau, et je vais aller changer les piles des veilleuses. C'est ça que j'ai oublié de vous dire aussi, donc du coup comme ma réunion avait lieu à Charles de Gaulle, entre le moment où la réunion se termine et le moment où il y a un train pour rentrer donc à Marne-la-Vallée-Chessy, on n'avait pas longtemps, on n'avait que 15 minutes, mais on s'est dit on va s'arrêter vite fait au duty free. Du coup j'ai pris deux produits seulement parce qu'on n'avait clairement pas le temps. Donc j'ai pris, j'en ai profité pour prendre mon contour pour les yeux.
mon contour pour les yeux, le All About Eyes dont je vous ai parlé dans mes produits terminés. Donc c'est le baume yeux anti-poche anti-cerne de chez Clinique. C'est le contour pour les yeux que je préfère. Franchement, il est vraiment top. Et je l'ai eu à 27,37€ au lieu de 39,10€. Donc il y a en gros, je crois, moins 40% de réduction, moins 30, je sais plus. Donc ça vaut grave le coup. Il y avait le sérum Advanced Night Repair de chez Estée Lauder, mais il reste quand même très onéreux. Et comme ce mois-ci, bah, comme je vous l'ai dit, j'avais déjà fait les soldes. Et surtout, c'est les vacances, donc je verrai ça bah, le mois prochain ou en septembre. Mais en tout cas, oui, il est beaucoup plus intéressant de le prendre là-bas. Et j'ai décidé plutôt de faire un cadeau à l'IS, puisque en fait, en ce moment, bah, comme je vous l'ai dit, j'ai des soucis avec ma carte bancaire. Quand les charmes Pandora donc, sont sortis, ceux du Roi Lion que j'ai installé juste ici, je ne pouvais pas régler donc avec ma carte bancaire. J'avais pas eu le temps de tirer des espèces, donc l'IS m'a passé sa carte bancaire pour que je l'utilise. Et quand j'ai voulu rembourser, il m'a dit non, non, bah, je t'en offre en gros la moitié, donc je lui ai fait un virement, enfin pas encore d'ailleurs parce qu'avec la banque postale c'est très compliqué, mais bon bref, au pire des cas je lui donnerai une espèce, il n'y a pas de souci, c'est entre nous ça. Mais il m'a dit de ne lui rembourser que la moitié, donc bah voilà, donc du coup j'ai dit ouais, ça me gêne un peu, donc du coup je me suis dit bah c'est l'occasion de lui faire un cadeau, puisqu'en fait l'IS adore ce parfum là. Je vous l'avais montré je crois à Noël, et je crois que celui qu'il avait c'était déjà un 150 ml, et il en reste très très peu parce que c'est vraiment celui-là et celui que je lui ai offert là pour nos 1 an qui est le Stronger With You. Et donc celui-ci c'est le Dium Mort Intense en fait, donc il sent divinement bon ce parfum là. Là c'est un gros flacon, hein, c'est 150 ml, et pour 150 ml il est à 89,46€ au lieu de 127,80€. Donc au début j'hésitais avec le 100 ml, mais le 100 ml de mémoire elle était à 74€, et donc le 150 à 89, donc en gros pour 15€ de plus il avait 50 ml en plus. Donc j'ai préféré taper directement sur le gros format puisque je savais que voilà c'est vraiment son parfum pour le coup. Donc du coup j'en ai profité, donc je pense que voilà, à partir du mois prochain je remettrai un peu de sous de côté pour le prochain passage là-bas. Et il y a vraiment, il y a du maquillage, il y a des parfums, il y a de la nourriture, enfin il y a tout un tas de trucs. Mais là du coup on n'avait pas beaucoup de temps, et moi comme je vous l'avais dit, en gros dans ma wishlist on va dire là-bas, il y avait donc le contour pour les yeux et le sérum. Et pour l'instant j'ai préféré tabler sur le contour pour les yeux, puisque du sérum j'en ai d'autres marques qui sont bien aussi, mais moins... Enfin, je trouve moins efficace que l'Advanced Night Repair, mais c'est pas grave, ça attendra le mois prochain ou septembre sans aucun problème. Donc nous voilà dimanche matin, donc là les garçons sont en train de jouer tranquillement, donc je me suis mis sur la terrasse comme ça ils peuvent jouer et vous entendrez pas trop de bruit. L'IS est parti ce matin vers 9h, quelque chose comme ça, parce qu'il avait rendez-vous sur Paris avec ses frères et sœurs pour aller faire un escape game. Donc bah, j'espère que ça lui aura plu. Là il est pas tard, hein, il est 11h30. Donc je me suis préparée, puisque moi je suis de soirée, je commence à 14h et c'est ma dernière ce soir, je suis en vacances, autant vous dire que j'ai vraiment vraiment hâte. Je sais plus quand est-ce que je vous ai laissé, il me semble que c'était jeudi, et je sais pas d'ailleurs si je vous ai dit, mais dans la nuit de mercredi à jeudi, donc l'IS a emmené Ilan et Yohan au cinéma, donc à la séance de minuit 45, pour aller voir Spider-Man en fait, puisque Kisha y avait été donc avec ses copines le mercredi après-midi. Et ils avaient vraiment peur, surtout Yohan, d'être spoilé en fait, et puis du coup d'avoir des infos qu'ils ne souhaitaient pas avoir sur le film. Et du coup l'IS a regardé, il y avait une séance à minuit 45, il leur a dit avant de partir, ouais les mecs, surtout vous endormez pas et tout. Et qui s'est endormi, je vous le donne en mille, l'IS. Donc apparemment Yohan l'a réveillé une fois, deux fois, trois fois, puis ensuite il a littéralement abandonné. Donc du coup je pense pas que c'est l'IS qui nous spoilera le film, puisque bon il l'a vu en gros, hein, ce qui s'est passé, mais il a surtout été dans les bras de Morphée. Donc ensuite, jeudi matin, donc ça je crois que je vous avais montré parce que je suis passée au duty free. Vendredi, donc j'étais aussi du matin. Pendant que je travaillais, l'IS est parti avec les garçons faire un match de foot. Et vendredi après-midi on est resté tranquille. Et samedi donc on a travaillé tous les deux. Et aujourd'hui, ah je crois que c'est l'IS, ça y est, on est ressorti de la salle. Et donc qu'est-ce que j'allais dire, je vais demander si c'était bien. C'était bien. On a fini avec 2,3 minutes de plus. Bon j'ai rien compris. 2,3 secondes, 3 minutes peut-être de plus, ça a été pas mal. Bon, je vous disais, donc hier on a travaillé de soirée, je sais plus ce que je disais, il m'a perturbé. Ouais,
Je sais plus. Bon bref, on s'en fout. J'ai vraiment une mémoire de 3 ans et demi, moi. Faut absolument pas. J'ai un problème de concentration. Il y a une mouche qui passe, c'est terminé pour moi. Donc je vous disais, donc samedi on a travaillé tous les deux. Et donc aujourd'hui c'est ma dernière. Voilà, en gros. Donc je suis en vacances à partir de ce soir et j'ai trop hâte, je vous le dis franchement. Donc du coup je vais vous montrer quelques produits terminés puisque Lies les avait mis dans un autre sac puisqu'il a pris l'habitude de les garder aussi. Sauf qu'il les avait pas mis dans le sac des produits terminés. Quand je vous dis qu'on a beaucoup aimé ce gel douche, je ne vous mens pas. Donc c'est celui qu'on trouve chez Action. C'est le parfum iris jaune et en fait il y a l'extrait de miel. Ils sont divinement bons donc je crois qu'on en a plus d'avance. Mais quand on repassera chez Action je reprendrai. Je crois qu'on en a qu'un seul, il me semble que la dernière fois on en a pris un, mais non, je crois que j'ai pris coco la dernière fois. Pareil, je vous en ai déjà parlé, la mousse de douche de chez Fa à l'huile de coco, parfum de cacao, c'est pareil, je crois qu'on en a deux maintenant dans la salle de bain, puisqu'on avait racheté un pack pendant les promos beauté Carrefour, mais vraiment, ils sont trop bons ce truc là. Ensuite, un produit de chez Yves Rocher, c'était un gel douche pomme rouge. Il était sympa, voilà, moi les produits Rocher, voilà, je me tourne vers les produits en général vers Noël, puisque je trouve qu'ils sortent des gammes un petit peu qui sortent, on va dire, de ce qu'ils font tout au long de l'année. Mais voilà, ouais, c'était sympa la pomme rouge. Ensuite, un gel pour laver les mains qui était à l'huile d'amande. Moi, j'aime beaucoup les produits comme ça pour les mains à base d'huile d'amande parce que tout simplement, c'est moins asséchant pour mes mains. Je me demande d'ailleurs si je vais pas garder le flacon à voir. Qu'est-ce qu'on a actuellement dans la salle de bain? Ouais, je vais peut-être garder le flacon et le remplir, je vais voir. Et encore un gel apaisant Intima. Voilà, moi je vous l'ai dit, c'est la marque que je préfère pour nettoyer les parties intimes. Je trouve que voilà, c'est vraiment top. La dernière fois, je crois que je vous ai montré le rouge et celui-là, c'était sensation d'apaisement, fraîcheur longue durée, usage quotidien. Je vois pas de différence entre les uns et les autres, mais je trouve que c'est le plus doux en fait, entre guillemets. Et hier, j'ai une bonne surprise dans ma boîte aux lettres puisque j'ai reçu un petit colis de la marque Merci Andy, donc via la plateforme Octoly. Puisqu'en fait, la dernière fois que j'étais au travail, donc de matinée, j'ai croisé la petite femme de ménage en fait. Et au moment où elle arrive, je mets du produit donc sur mes mains en gel antibactérien Merci Andy. Et elle me dit, oh mais ça sent trop bon et tout. Donc du coup, j'en ai offert deux. Et du coup, j'en ai recommandé. Donc Lies a voulu le Black Vanilla. Donc celui-ci, ce sera pour Lies. Donc voilà, la parfum vanille. Lies adore celui-ci. Moi, je vous l'ai déjà dit, mon parfum préféré, c'est celui-ci. Non, c'est pas celui-ci, je vous dis des bêtises. Il n'y était pas sur le site. C'est New Wave, moi. Mon parfum préféré, c'est celui qui sent le bonbon. Mais celui-là, j'aime beaucoup aussi, puisque vous allez voir l'odeur. C'est Cocorico, donc avec une pointe de coco à l'intérieur. Et j'ai aussi repris un Cherry Cherry. Donc je vais voir, là je la verrai pas aujourd'hui, mais à mon retour de vacances, je pense que je lui en reglisserai un. Parce que voilà, je sais que du coup, bah forcément de par son métier, tout comme nous, elle a les mains souvent, enfin elle est souvent obligée de se laver les mains, souvent les mains dans l'eau. Et du coup, elle a les mains qui s'irritent et quand on m'a dit si elle peut espacer de temps en temps avec un peu de gel antibactérien, tant mieux. Et là, c'est vrai qu'ils sont pas assez chants en fait, ils laissent une légère pellicule hydratante sur les mains. Donc très agréable, donc je suis très contente. Voilà, donc du coup je vais clôturer ce vlog de semaine, enfin qui est même pas un vlog de semaine parce que je crois que je l'ai commencé mercredi, ici et maintenant, puisque de toute façon à partir de ce soir, comme je vous dis, je suis en vacances. Ilan lui repart un petit peu ce soir et reviendra demain puisque demain il a rendez-vous chez un médecin, donc du coup c'est son papa qui va l'emmener, donc il repart ce soir et revient demain. Johan pareil puisque demain il a aussi rendez-vous avec un ophtalmo lui, et pareil c'est avec sa maman, donc on va le déposer ce soir et on récupère demain. Et mardi on attend une nouvelle peut-être pour l'appartement, donc on verra bien. Et en fonction de ça, bon, on va voir ce qu'on fait la semaine prochaine. On verra en fonction de mardi. Je pense qu'on ira au village nature. Faut que je regarde la météo parce que les garçons voudraient aller au village nature. Johan et Kishan les avaient déjà emmenés, mais Swan et Ilan n'ont jamais été. Ils n'y ont jamais été. Donc ils voudraient aller là-bas. Et on va aller à Disney aussi, hein, parce qu'on n'allait pas souvent en profiter. Et après, bah, on va essayer de trouver des activités un peu quotidiennes. On ira les emmener au parc, on ira faire des matchs de foot. Et surtout, nous allons nous reposer parce qu'on est exténués. J'espère que ce petit vlog vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !